Alléluia, alléluia, shalom, shalom à toutes et à tous. Bienvenue, bienvenue, c'est l'heure de notre prière, le jeûne de 70 jours de la montagne de feu et de miracles 2020. Merci Seigneur. Tendre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir, t'élever, t'exalter pour ton amour, ta bonté, ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Merci pour le don de la vie, ô éternel, ô Dieu, car c'est toi qui nous as accordé cette grâce, ô Dieu, d'être compté parmi les vivants, Seigneur. Ceux qui sont morts aujourd'hui, éternel, ceux qui sont alités dans nos hôpitaux, nous ne sommes pas mieux qu'eux. Ô Papa, merci. Merci pour le don de la vie. Merci pour la force. Merci pour l'endurance, oh Dieu. Merci puisque tu as permis qu'on puisse utiliser tous nos organes, oh Dieu. Papa, merci puisque tu as permis qu'on fasse tout ce qu'on avait besoin de faire, oh éternel, oh Dieu, merci. Car c'est à toi que vient la vie, l'être et le mouvement, oh tendre Père. Et pour cela, éternel, oh Dieu, nous voulons te célébrer, te bénir, oh Dieu, en entrant dans tes portes, éternel, oh Dieu, avec des actions de grâce et dans tes parvis avec des louanges. Mais nous voulons le faire en esprit et en vérité. C'est pour cela, Seigneur, nous demandons l'assistant du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes même le cœur et les profondeurs de Dieu, mets les bonnes paroles qui vont toucher, bouger les trônes de Dieu, dans le nom de Jésus. Prends le contrôle de nos corps, âme et esprit, maîtrisez-nous, que toutes choses qui sortira viennent de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. En ta présence, mes craintes fuient. Et ta voix m'attire à toi. Je veux rester seulement pour t'adorer. Attiré par ton amour, Père, je veux rester dans ta demeure. Et mes yeux ne veulent que t'admirer. En ta présence. Nous te célébrons, toi le Prince glorieux. Nous te magnifions, toi le Saint de Dieu. Nous t'exaltons, toi le Juste de Yahweh. L'ouvrier habile par qui toutes choses ont été créées. L'incomparable, le redoutable, l'invincible Jésus-Christ Nazareth. Nous sommes venus nous connecter à toi, le grand médecin. Nous sommes venus nous connecter, Seigneur, à la puissance de tes maîtrises. Réveille-toi, Seigneur. Réveille-toi, ô Père. Amène-le, déclare en voilà sa parole. Et sa parole les adore. Parole, Jésus-Christ. Tu as la parole, Dieu du Père. Guéris-nous, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous comptons que sur toi. Oh, nous avons foi en toi, Seigneur, Dieu juste et fidèle. Tu ne nous abandonneras pas, ô Père. Tu acceptes de mourir pour nous, maîtriser, abandonner pour nous, habituer à la souffrance et à la douleur pour nous, pour qu'on ne souffre plus, pour qu'on ne sente plus de douleur, Seigneur. Papa, nous venons à toi, nous te venons te célébrer, te magnifier, ô Jésus, le Juste, Jésus, le Magnifique, Jésus, le plus beau, Seigneur, ô bien-aimé. Viens parfumer nos vies, donne juste la valeur, le parfum de ton honneur. Viens parfumer nos santés, Jésus. Est-ce que la puissance de tes mains, Christie, de ton sang puisse agir dans nos vies, Papa? Nous avons besoin de toi.
Nous avons encore besoin de toi, Seigneur. Oh Jésus, c'est nous grâce. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur toi, Seigneur. N'est-ce pas par tes mains pour ceux que nous sommes guéris? N'est-ce que la puissance de tes mains tout suffisant, Jésus, Seigneur? Nous avons besoin de toi. Nos yeux sont tournés vers toi. Nos vies sont tournées vers toi, Papa. Agis, oh Jésus. Agis, Seigneur. Tu as été maltraité au plus Seigneur. Pour nous, oh Père. Nous attendons à toi, Seigneur. Nous sommes venus à toi. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Donne-moi du repos, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes venus connecter à ta source de puissance. Docteur Jésus, le grand médecin, agis Jésus, agis dans nos vies. Oh Seigneur, délivre-nous Seigneur de puissance de la maladie. Jésus, toi seul capable Seigneur, de guérir nos corps, nos âmes et nos esprits Seigneur. Oh Papa, révèle-toi Seigneur, nous nous attendons à toi. Oh Papa, nos yeux sont levés vers toi Seigneur, nos âmes sont levées vers toi Seigneur. Oh Jésus, nous nous attendons à toi, nous avons confiance, nous avons besoin de toi, nous nous attendons à toi Seigneur, comme une biche soupir auprès des courants d'eau, Seigneur. Nous soupirons auprès de toi. Nous soupirons auprès de toi, Seigneur. Nos yeux sont tournés vers toi. Oh Jésus, sois célébré, sois magnifié, sois honoré. Hey, le prince de l'éternel, Jésus, la lumière du monde, viens illuminer nos vies. Viens illuminer nos vies, Jésus. Nous attendons à toi, Jésus. Alléluia, gloire à toi. Honneur à toi, Seigneur. Élévation, plein succès à toi, Jésus, qui est semblable à toi, le guerrier redoutable, qui est puissant comme toi, l'invincible, Jésus. Le bon berger, c'est lui qui nous conduit vers le vert pâturage, qui nous conduit vers le pâturage de la délivrance et de la guérison, l'homme de Galilée. Hosanne à toi, le soleil levant, toi qui donnes la vie, Seigneur. Merci, l'étoile brillante du matin, de faire briller nos vies. Oh non. Jésus, oui, Seigneur, tu nous dis, oh tendre Père, si nous avons écouté attentivement ta voix et si on avait fait droit à tes yeux, Papa, tu n'allais pas nous frapper des maladies que tu avais mises sur l'Égypte, car tu es l'Éternel qui nous guérit. Mais Seigneur, Papa, aie pitié. Papa, souviens-toi que nous sommes que poussière, la chair est faible. C'est vrai, oh Père, nous avons fauté. Papa, nous plaidons coupables, ô éternel, ô Dieu. Si tu regardais les souvenirs de nos iniquités, Seigneur, qui pourraient subsister devant toi, ô Dieu. Papa, le miséricordieux, c'est toi, et compassion de nous. Pardonne-nous, que le sang de Jésus puisse nous laver, corps, âme, esprit, conscience, inconscience, subconscience. Que le sang de Jésus efface les peines de nos péchés, de nos iniquités. Que le sang de Jésus détruise la bisselle du péché qui nous couvre, qui nous empêche de voir la lumière de Dieu. Dans le nom de Jésus, je crois en toi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Oui, éternel, oh Dieu, la parole déclare, et quelque chose que vous fassiez, soit par parole ou pour œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à notre Dieu et Père. C'est pour cela, éternel, oh Dieu, Papa, nous voulons te remercier. Je viens te remercier pour, éternel, oh Dieu, de m'avoir attiré à la prière et à la puissance, Papa. Merci, éternel, oh Dieu, pour le salut de mon âme. Merci, Papa, de m'avoir baptisé avec l'Esprit Saint. Gloire à toi, éternel, oh Dieu, de m'avoir rempli des dons spirituels. Louange à toi, oh tendre Père, pour le fruit de l'Esprit qui me guide nuit et jour. Merci, Seigneur, pour les dons magnifiques de louange que tu as mis dans ma bouche. Gloire te soit rendue pour tous les moyens divers par lesquels tu es intervenu, oh tendre Père.
dans mes affaires. Merci, Papa, pour tous les moyens divers par lesquels tu es intervenu dans la vie de mes enfants. Merci, Éternel, oh Dieu, pour ton plan divin, oh Dieu, pour ma vie. Merci, le Dieu fidèle, pour ta promesse de ne jamais me quitter ni m'abandonner. Gloire à toi, Éternel, oh Dieu, de m'avoir amené à la maturité, à la vie profonde, oh Papa. Merci de me relever quand je tombe, oh Père. Gloire te soit rendue, toi qui me gardes en parfaite paix. Merci, Seigneur, de faire concourir toutes choses à mon bien. Oh Jéhovah, merci d'avoir me délivré du filet de l'oiseleur, de la peste et ses ravages. Gloire à toi, Éternel, oh Dieu, pour la puissance extraordinaire qui est dans la parole et dans le sang de l'agneau. Merci d'avoir ordonné à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Merci, Papa, d'avoir combattu mes ennemis. Oh, Éternel, merci d'avoir fait de moi un plus que vainqueur. Gloire te soit rendue. Honneur à toi, Éternel, oh Dieu. Merci d'avoir pourvu à tous mes besoins selon les richesses en gloire. Eh, hey, Yahweh, le Tout-Puissant, le seul capable, Seigneur, de guérir mon corps, mon âme et mon esprit. Merci. Merci, Papa, d'avoir inondé mon cœur de ta lumière céleste. Oh, alléluia. Toi qui me fais toujours triompher en Christ Jésus. Oh, Yahweh, sois exalté. Toi qui as transformé mes malédictions en bénédiction. Louange à toi. Toi qui permets, Seigneur, de vivre en toute sécurité. Merci pour toutes les bénédictions de la vie, ô Père. Yahweh, tu es Dieu. Gloire. Papa, sois exalté pour ta grandeur. Sois exalté pour ta puissance. Sois exalté pour ta gloire. Sois exalté pour ta majesté. Sois exalté pour ta splendeur. Sois exalté pour ta justice. Alléluia, le Tout-Puissant. Merci, Papa, toi qui as réduit au silence l'ennemi et les vengeurs. Oui, Éternel, oh Dieu, tu es à ma droite et je ne chancellerai pas. Hey, Yahweh, gloire, car tu es digne, Seigneur, de confiance et tu viens en secours des tiens. Hey, tu n'as pas permis à mes ennemis de se réjouir à mon sujet. C'est pour cela, Papa, je te remercie. Oh, Yahweh, sois béni. Merci pour ton amour extraordinaire. Tu le montres tous les jours, Éternel, oh Dieu. Alléluia, gloire, puissance à toi pour ta grandeur. Car tu es digne des louanges. Hey, Yahweh, sois béni. Oui, Papa, sois béni d'avoir délivré mon âme de la mort et mes pieds du trébuchement. Merci, Seigneur. Merci, Éternel, oh Dieu, d'être ma forteresse et mon refuge dans la détresse. Alléluia. Toi, le Dieu fidèle, merci, Seigneur, pour ta fidélité et tes actions merveilleuses à mon égard. Louange à toi pour tes actes de puissance et ta grandeur incomparable. Gloire, puissance, honneur. Papa, merci d'avoir ôté l'aveuglement spirituel de mon esprit. Merci d'avoir retiré de profondeur. Et alléluia, toi qui me gardes et qui as fermé mes pas. Merci, Éternel, oh Dieu, pour ton nom, Seigneur, car c'est une grande forteresse. Et les justes s'y réfugient. Et Papa, ils sont en sécurité. Merci, Seigneur. Louange à toi, élévation à toi. Je te remercie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Père, que le Saint-Esprit occupe toute la place, que tes fruits mûrissent en nous, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, prends possession de mon corps, de mon âme et de nos esprits. Oh Saint-Esprit, prends contrôle de nos âmes, de nos esprits. Saint-Esprit, maîtrise nos esprits, maîtrise mon esprit, assujettis mon esprit à ta puissance. Laisse que le Saint-Esprit domine sur
tout esprit qui est en moi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de me changer à une autre personne, de nous changer à une autre personne. Dans le nom de Jésus, nous voulons prier selon toi, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, de me remplir de ta puissance, Seigneur, puisque tu m'as dit que tu ne me laisseras pas seul. Cher Saint-Esprit de Dieu, je soupire auprès de toi. Prends le contrôle de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Restaure ce qui est détruit. Enflamme-moi. Connecte-moi à ta puissance, Saint-Esprit de Dieu. Habille-moi avec ton manteau de feu. Habille-moi de ton manteau de puissance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Éternel, oh Dieu. Habille avec le manteau de feu. Nous voulons nous élever, Seigneur, comme des soldats pour aller au combat. Gloire à toi, Papa. Merci. Devant nous marche l'invincible, le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ Nazareth. Et la victoire n'est que certaine. Amen. Nous voici maintenant en notre troisième jour de la sixième section. C'est connecté au grand médecin, Jésus-Christ Nazareth. Amen. Avant de commencer, nous allons nous protéger contre les flèches enflammées de l'ennemi. Nous couvrons nos enfants, nos maisons, nos maris, nos femmes dans le sang de Jésus et nous les barricadons avec les haies de feu au nom de Jésus-Christ. Amen.
surélevez-vous et ajoutez du châtiment au châtiment de mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, surélevez-vous et ajoutez du châtiment au châtiment de mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, Dieu, lève-toi, Seigneur. Papa, oh, surélevez-vous et ajoutez du châtiment au châtiment de mes ennemis au nom de Jésus. Ajoutez-le du châtiment. Ajoutez encore du châtiment à mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Toutes bouches de la sorcellerie sans répit contre moi. Bois la coupe de la colère de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes bouches de la sorcellerie sans répit contre moi. Bois la coupe de la colère de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes bouches de la sorcellerie qui parlent sans cesse contre moi. Allez, bois la coupe de la colère de Dieu au nom de Jésus. Bois la coupe de la colère de Dieu, toutes bouches de la sorcellerie sans répit contre ma vie, contre ma santé, contre mon ménage, contre mes enfants, contre mon travail. Allez, buvez cette coupe de la colère de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout sang maléfique mélangé à mon sang soit évacué au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout sang maléfique mélangé à mon sang soit évacué au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la puissance du sang de Jésus expulse, évacue tout sang maléfique mélangé à mon sang au nom de Jésus. Sang de la malédiction, sang de la maladie, sang de la mort, sang de la sorcellerie mélangé à mon sang soit évacué, soit expulsé au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, lève-toi, frappe d'aveuglement mes ennemis et qu'ils tombent dans leur propre force au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, lève-toi et frappe d'aveuglement mes ennemis et qu'ils tombent dans leur propre force au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, lève-toi et frappe mes ennemis d'aveuglement total et qu'ils tombent dans leur propre force au nom de Jésus. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Tous mes ennemis entêtés et qui tombent dans leur propre force au nom de Jésus-Christ. Amen. Sang et force de mes oppresseurs séchés au nom de Jésus-Christ. Amen. Sang et force de mes oppresseurs séchés au nom de Jésus-Christ. Amen. Feu de Dieu sèche le sang et la force de mes oppresseurs au nom de Jésus. Qu'il sèche le sang et la force de mes ennemis, de mes oppresseurs, oppresseurs de ma vie, oppresseurs de mes enfants, oppresseurs de mon mariage. Que leur sang et leur force sèchent au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvoir assigner à remplacer mes vertus par un panier. Lion de la tribu de Judas, déchire-le en pièces au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvoir assigner à remplacer mes vertu par un panier. Lion de la tribu de Judas, déchire-le en pièces au nom de Jésus-Christ. Amen. Lion de la tribu de Judas, lève-toi, rugis et déchire en pièces tout pouvoir assigné à remplacer mes vertus par un panier. Au nom de Jésus, qu'il soit déchiré en pièces. Déchirer ton pouvoir envoyé pour remplacer les vertus de mes enfants par un panier, par quelque chose de vide, quelque chose de troué. Oh Père, déchire-les. Lion de la tribu de Judas, déchire ce pouvoir envoyé pour remplacer, pour changer les vertus de mon mariage, de mon travail, de mon mari, de ma femme, de mes frères et sœurs, par un panier au nom de Jésus-Christ. Ordinateur de ténèbres contenant la période au cours de laquelle mes percées se manifesteront. Prends feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ordinateur de ténèbres contenant la période au cours de laquelle mes percées se manifesteront. Prends feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu dévorant, le feu consumant sur tout ordinateur de ténèbres contenant la période de mon élévation, la période de la manifestation de mes percées, de mon mariage, de ma prospérité, de ma victoire, de ma grandeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. B.
bulldozer du ciel, déraciner toutes choses que Dieu n'a pas plantées dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bulldozer du ciel, déracine toutes choses que Dieu n'a pas plantées dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bulldozer céleste, allez déraciner toutes choses que Dieu n'a pas plantées dans ma vie, dans mon corps qui soit déraciné, dans mon travail, dans mon ménage, dans la vie de mes enfants, dans ma vie spirituelle, qui soit déraciné par le bulldozer céleste, au nom de Jésus-Christ. Amen. Flèche de la honte tirée dans ma vie, soyez consumée par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Flèche de la honte tirée dans ma vie, soyez consumée par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. J'envoie le feu consumant, dévorer, consumer toutes les flèches de la honte tirées dans ma destinée, tirées dans mon ménage, tirées dans mes affaires, dans la vie de mes enfants. Oh! Toutes les flèches de honte que l'ennemi a tirées dans ma vie soient consumées par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Erreurs qui me ramèneront au point zéro, sortez de ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Erreurs qui me ramèneront au point zéro, sortez de ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Allez, j'ordonne à tous les erreurs qui me ramèneront au point zéro. Tous les erreurs qui feront que je rétrograde spirituellement, matériellement, financièrement, socialement, de sortir de ma vie. Sortez de ma vie maintenant. Sortez, sortez au nom de Jésus. Toute erreur fatale qui me ramènera au point zéro, au commencement. Je refuse le commencement diabolique dans ma vie. Sortez dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme ma bataille est en train d'expirer, je n'expirerai point au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme ma bataille est en train d'expirer, je n'expirerai point au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus, je confesse que comme ma bataille est en train de finir, d'expirer, moi je ne finirai pas. Je n'expirerai pas jamais dans le nom de Jésus. Oh oui, comme ma bataille, ma maladie est en train de finir maintenant, moi je ne vais pas mourir jamais au nom de Jésus-Christ. Oui, toute bataille qui est en train d'expirer maintenant, moi je n'expirerai pas avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout pouvoir assigné à me faire commettre des erreurs qui conduiront à la tombe, meurt dans la honte au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout pouvoir assigné à me faire commettre des erreurs qui me conduiront à la tombe, meurt au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout pouvoir, tout esprit, toute personnalité envoyée par les ténèbres pour me faire commettre des erreurs, des fautes, des maladresses qui me conduiront à la tombe. Mourez, mourez au nom de Jésus. Ces pouvoirs envoyés me faire commettre des erreurs qui me conduiront à la maladie, à l'échec, à la pauvreté. Mourez au nom de Jésus. Ces pouvoirs envoyés me faire commettre des erreurs qui conduiront à mon mariage au divorce. Mourez dans la honte au nom de Jésus-Christ. C'est pouvoir envoyer me faire commettre des erreurs sur mes enfants qui le conduiront à la honte. Mère au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvoir assigné à jeter dans la poubelle les dons de Dieu dans ma vie. Mourez au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvoir assigné à jeter dans la poubelle les dons de Dieu dans ma vie. Mourez au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout pouvoir, tout esprit, toute personnalité envoyé à jeter dans la poubelle les dons de Dieu, les grâces de Dieu dans ma vie. Mourez, mourez au nom de Jésus. Ce pouvoir envoyé, ce pouvoir qui a pour mission de jeter dans la poubelle, dans la boue, les dons de Dieu dans mon mariage. Mourez dans le nom de Jésus. Ce pouvoir envoyé à jeter dans la poubelle les grâces de Dieu dans mon travail, dans mes relations, dans mes études, dans les études de mes enfants. Mourez au nom de Jésus-Christ. Amen.
insultes qui pousseront mes ennemis à se tuer, localisez-les par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Insultes qui pousseront mes ennemis à se tuer, localisez-les par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes les insultes qui pousseront à mes ennemis de se tuer, localisez-les maintenant par le feu au nom de Jésus. Tous les insultes qui pousseront mes ennemis à se tuer, localisez-les par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes batailles assignées à provoquer les pleurs dans ma vie, oh Dieu, lève-toi et détruis-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes batailles assignées à provoquer des pleurs dans ma vie. Oh Dieu, lève-toi et détruis-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, lève-toi et détruis toute bataille assignée à provoquer des pleurs dans ma vie. Dans le nom de Jésus, Papa, détruis ce combat suscité par l'ennemi pour provoquer le chagrin dans ma vie. Papa, détruis, Seigneur, tous les combats assignés à provoquer le divorce dans mon mariage. Oh Dieu, lève-toi, détruis les Seigneurs, toutes les batailles envoyées pour provoquer les pleurs, le chagrin, la tristesse dans ma vie, dans mon foyer, au nom de Jésus-Christ. Amen. Corde me connectant à des bienfaiteurs et que l'ennemi a coupé, oh Dieu, restaure-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Corde me connectant à mes bienfaiteurs et que l'ennemi a coupé, oh Dieu, restaure-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, lève-toi, restaure toutes tes cordes, toutes tes bonnes cordes, me connectant, me liant, mes bienfaiteurs que l'ennemi a coupés. Oh Dieu, restaure-la, Seigneur, dans le nom de Jésus. Toutes tes bonnes cordes, me connectant, me liant à mes bienfaiteurs et que l'ennemi a coupés. Papa, laisse qu'ils soient restaurés au nom de Jésus. Cette bonne corde me liant à mon fiancé, à mon mari, ma femme, à mon patron, à mon travail que l'ennemi a coupé. Oh, Dieu, lève-toi, restaure-la au nom de Jésus. Cette corde que l'ennemi a coupée me liant à ma réussite, à mon élévation. Oh, Dieu, lève-toi, restaure-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Mains d'affliction qui me battent dans les rêves. Oh Seigneur, retranche-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Mains d'affliction qui me battent dans les rêves. Oh Seigneur, retranche-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu mon Père, lève-toi, retranche toutes les mains d'affliction qui me battent, qui me frappent dans les rêves, dans le nom de Jésus. Retranche ces mains maléfiques, mains de la maladie, mains de la pauvreté, mains des combats qui me battent, qui me frappent dans les rêves. Oh Seigneur, retranche-les toutes au nom de Jésus-Christ. Amen. Je mets un avis d'expulsion aux pieds maléfiques qui sont sur les affaires de ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je mets un avis d'expulsion aux pieds maléfiques qui sont sur les affaires de ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, je viens communiquer un avis d'expulsion des aux pieds maléfiques qui sont sur mes affaires, qui sont sur ma santé, sur mon mariage, sur la vie de mes enfants, de mes frères et de sœurs, de la vie de ma femme, au nom de Jésus. Allez, un avis d'expulsion maintenant, dans le nom de Jésus. Je le promulgue maintenant, dans le nom de Jésus. Je le prononce par le feu, au nom de Jésus. Tous les pieds maléfiques n'ont plus droit sur mes affaires, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Amen. Esprit d'oppression suspendu sur ma destinée, mourez par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Esprit d'oppression suspendu sur ma destinée, mourez par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen.
par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu dévorant consumer tout esprit d'oppression suspendu sur ma vie, sur ma destinée, sur mon travail, sur mon ménage, sur la vie de mes enfants. Que le feu consume ces esprits maléfiques d'oppression assignés contre moi, suspendus dans le temps, dans l'espace, contre ma destinée, au nom de Jésus-Christ. Manipulation des forces des ténèbres préparées pour empêcher ma grandeur soit exposée, exterminée au nom de Jésus-Christ. Amen. Manipulation des forces des ténèbres préparées pour empêcher ma grandeur soit exposée, exterminée au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus, que toutes manipulations des forces des ténèbres préparées pour empêcher ma grandeur, mon élévation, ma réussite, qu'ils soient exposées maintenant et détruites, exterminées au nom de Jésus. Toutes manipulations des forces des ténèbres pour préparer pour empêcher la grandeur de mon travail, de mon mariage, de mes enfants, de ma vie spirituelle, soient exposées et exterminées au nom de Jésus-Christ. Pouvoir disant non à mon avenir glorieux, taisez-vous et mourrez au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvoir disant non à mon avenir glorieux, taisez-vous et mourrez au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus, je viens faire taire tout pouvoir qui dit non à mon avenir glorieux au nom de Jésus-Christ. Taisez-vous au nom de Jésus. Tout pouvoir, tout esprit, toute personnalité qui dit non à mon avenir glorieux, à mon travail glorieux, à mon mariage glorieux, oh Père qui se taise à jamais, ce pouvoir qui dit non à l'avenir glorieux de mes enfants, oh Père, laisse qu'il se taise à jamais au nom de Jésus-Christ. Tout doigt des ténèbres causant des chaos dans ma destinée soit consumé par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout doigt des ténèbres causant des chaos dans ma destinée soit consumé par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Feu de Dieu, lève-toi, brûle, consume, calcine tout doigt des ténèbres qui cause des chaos dans ma destinée, dans mon travail. Ce doigt maléfique qui cause des chaos dans mon ménage, dans la vie de mes enfants, soit calciné, consumé dans le nom de Jésus. Ce doigt maléfique, oh Dieu, qui amène des chaos, des problèmes dans mon mariage, dans mes relations, dans ma vie de mes bienfaiteurs, soit consumé par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Gadget maléfique de surveillance assigné à me surveiller, retourné par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Gadget maléfique de surveillance assigné à me surveiller, retourné par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je renvoie par le feu tout gadget maléfique de surveillance, tout caméra espion des ténèbres qui surveillait ma vie, soit retourné à l'expéditeur. Je le renvoie au nom de Jésus. Toutes les choses que l'ennemi utilise pour surveiller ma vie, mon ménage, mon travail, ma santé, mes relations, ma vie spirituelle, oh Père, laisse qu'il retourne par le feu ces gadgets maléfiques de surveillance au nom de Jésus-Christ. Flèche provenant du carrefour, tiré dans ma destinée, retourné par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Flèche provenant du carrefour, tirant dans ma destinée, retourné par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, je renvoie par le feu toutes les flèches provenant du carrefour, des ronds-points, tiré dans ma destinée, tiré dans mon travail, tiré dans mon ménage, tiré dans ma santé, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, de mon mari, de mon fiancé. Je les renvoie cette fois à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh Dieu, lève-toi et envoie ta poudre de démangeaison contre ceux qui me tourmentent au nom de Jésus-Christ. Amen.
Oh Dieu, lève-toi et envoie ta poudre de démangeaison contre ceux qui me tourmentent au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, mon Père, lève-toi, envoie ta poudre de démangeaison sur tout pouvoir, toute personnalité de ténèbres qui me tourmente nuit et jour, qui combat ma vie, qui tourmente mon ménage, qui tourmente mon travail, ma vie spirituelle, qui tourmente ma santé. Oh Père, laisse qu'ils reçoivent ta poudre de démangeaison au nom de Jésus-Christ. Animaux étranges assignés contre ma destinée, poussez des cris et mourez au nom de Jésus-Christ. Amen. Animaux étranges assignés contre ma destinée, poussez des cris et mourez au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus, que tous les animaux étranges envoyés contre ma destinée, contre ma vie, contre ma santé, contre ma maison. Ces animaux étranges, les oiseaux étranges, envoyés contre mon travail, contre mes enfants. Oh, par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de pousser des cris et mourir. Pousser des cris de douleur et mourir au nom de Jésus-Christ. Pierre de feu, frappez la grosse tête de mes oppresseurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Pierre de feu, frappez la grosse tête de mes oppresseurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, je vais libérer les pierres de feu sur toutes grosses têtes de mes oppresseurs qui sont frappées au nom de Jésus. Tous mes oppresseurs mégalomanes qui sont frappés avec des pierres de feu au nom de Jésus. Mes oppresseurs prétentieux, orgueilleux qui sont frappés sur leurs grosses têtes avec des pierres de feu au nom de Jésus-Christ. Pouvoirs sataniques qui me font retourner dans les anciens endroits, dans mes rêves. Je vous enterre maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvoirs sataniques qui me font retourner dans des anciens endroits, dans mes rêves. Je vous enterre maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, je viens enterrer tout pouvoir satanique qui me fait retourner dans des anciens endroits, dans des anciens lieux, dans mes rêves, qui sont enterrés tous dans le nom de Jésus. Ce pouvoir satanique qui me fait retourner dans des anciens endroits, dans mes rêves, sois enterré maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Puisque ce pouvoir satanique qui nous faisait rétrograder dans des anciens lieux, papa, ont été détruits dans le nom de Jésus. Merci, puisque les pierres de feu se sont levées et ont frappé la grosse tête de nos oppresseurs dans le nom de Jésus. Merci, éternel oh Dieu. Puisqu'à partir de maintenant, nous avons mis un avis d'expulsion à tout pied maléfique sur toutes nos affaires dans le nom de Jésus. Merci. Puisque l'erreur qui pouvait nous ramener à zéro est sortie de nos vies dans le nom de Jésus. Merci, bulldozer du ciel, qui a déraciné toutes les choses que Dieu n'avait pas plantées dans nos vies, dans le nom de Jésus. Merci, puisque toute épouse de la sorcellerie qui était sans répit contre nos vies a bu la coupe de la colère de Dieu, dans le nom de Jésus. Merci, papa, d'avoir ajouté du châtiment au châtiment de nos ennemis. Merci, Seigneur. Nous couvrons nos prières, nos réponses dans le sang de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a fortifiés. Papa, merci. Merci pour les anges qui étaient là aussi, Seigneur. Ils sont montés avec nos requêtes et descendus avec les réponses positives. Sois élevé, sois béni, Seigneur. Nous scellons nos prières dans le sang de Jésus-Christ. Tout pouvoir, tout esprit, toute personnalité en colère qui s'élèverait pour réclamer nos prières, laisse que les pierres de feu s'abattent sur leur grosse tête au nom de Jésus-Christ. Oui.
oui, il n'y aura ni regroupement, ni renforcement de l'ennemi contre nos prières. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur. Laisse que l'honneur, la gloire, la puissance, l'élévation te soient rendues, toi seul, ô Jéhovah Dieu, et à ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.